Vous êtes sur RTL. Isabelle Saporta. C'est comme ça. Bonjour Isabelle. Bonjour. C'est un livre de Pierre Dumont et Denis de Kergolet dont les bonnes feuilles sont parues dans le Figaro Magazine de ce week-end. Éolienne, chronique d'un naufrage annoncé qui a attiré votre attention aujourd'hui. Alors mon petit oiseau dit que cet ouvrage n'a pas dû vraiment vous plaire. Elles sont là, elles sont dans les campagnes. Mais non, je me prends pas pour Marine Le Pen qui rejouerait le débat télévisé de la présidentielle face à Macron. Juste, je profite de cette chronique pour vous prévenir du nouveau grand danger qui nous guette. L'éolien, affilié à l'épouvantable lobby du vent qui, selon nos deux auteurs, serait aussi dangereux, aussi obscurantiste, en un mot, aussi terrible, que les lobbies du tabac et de Bayer-Monsanto réunis, fichtre. Ils en sont certains, bientôt nos terroirs seront hérissés de ces moulins gigantesques. Tremblez, Français, devant le lobby du vent, bien plus pernicieux encore que celui des pétromonarchies du Golfe. Alors, vous pouvez vous moquer, Isabelle, il n'empêche que de nombreux Français s'élèvent contre les éoliennes. Ils les trouvent à raison ou à tort, d'ailleurs, notamment moche. Écoutez, 80% des riverains des éoliennes en ont une bonne image. Pourtant, vu qu'ils sont tout près, ils les ont bien dans l'œil, les éoliennes. Après, j'entends les auteurs qui nous mettent en garde contre le danger d'accident éolien. Dites, juste comme ça. On en parle du danger d'accident nucléaire ? Parce que bon, c'est pas certain qu'on aura une seconde fois la chance inouïe, comme pour Tchernobyl, que les nuages radioactifs, ils s'arrêtent pile poil à nos frontières. Deux fois du bol comme ça, c'est pas gagné. Puis bon, c'est lundi, donc je vous parlerai ni des déchets nucléaires, ni du risque terroriste. Moi, la seule question que j'ai envie de vous poser ce matin, Yves, c'est si demain on vous dit, devant chez vous, monsieur Calvi, c'est soit une centrale nucléaire, soit une éolienne, vous choisissez quoi ? Moi, j'adore les éoliennes, donc... Eh ben voilà, sans hésitation, le moulin avancé comme ça. Isabelle Saporta.